on est obligé de faire les concerts avant. Ici, en Amérique du Nord, on ne fait pas jamais de disques sans en faire des concerts. Et on voit très bien que du concert au disque, on fait toujours des progrès. De monter les Troyens, c'est une entreprise démentielle, étant donné le nombre d'exécutants qui sont impliqués là-dedans, le nombre de solistes, les chœurs qui ont 23 numéros dans un opéra qui dure 4h30. Nous avons été obligés, pour des questions purement techniques, de diviser ça, comme du temps de Berlioz, en deux opéras. En tout cas, un préambule d'1h30 qui s'appelle donc la prise de Troie. Et puis, la deuxième partie, donc, c'est les Troyens à Carthage. C'est le fameux épisode de Didon aîné et puis les présages de la fondation de l'Italie qui sont préfigurés dans la première partie. This is actually my first time singing in French in public. So it's really a very new experience for me, and I'm very fortunate in having a new experience with such wonderful people. Maestro Dutoit has been very helpful and very encouraging of my work. There are a lot of vocal interesting things about Cassandra that I as a singer have enjoyed. It's a particularly low sing for me as a soprano with a lot of high notes. In studying Cassandra, I think the thing that is so striking to me is the frustration that she feels in knowing in her mind what is going to happen and not being able to convince anyone around her, even the man that she loves, that this terrible disaster is going to occur. Thank you.
C'est la première fois que je chante Berlioz. C'est un prince d'Asie, c'est le fiancé de Cassandre, et c'est un homme en amour. Le premier acte, deuxième acte, la musique de Choreb et de Cassandre, c'est très romantique, un style un petit peu différent du restant des premiers deux actes. Et je chante beaucoup, il y a un legato, une phrasée très très difficile qu'on ne trouve pas souvent. On ne trouve pas souvent, et spécialement dans le répertoire français, parce que c'est presque chanté à l'italien, mais sans les mauvais goûts les styles italiens du portamento et tout ça. Mais il faut garder cette ligne de chant incroyable, c'est très belle musique. Que Decca est unique dans les maisons de disques en ayant deux producteurs sur chaque réalisation d'opéra. Donc, plutôt qu'avoir quelqu'un qui a seulement de l'expérience technique, on croit que c'est peut-être mieux d'avoir un autre producteur sur la scène avec les chanteurs. J'essaye de ne pas être dans le chemin des chanteurs, naturellement, ils doivent concentrer sur leur chant. Mais quand il y a une pause entre les prises, peut-être je les aide pour les questions artistiques. Point de vue technique, on a cette réalisation scénique avec les micros qui ont les numéros de 1 à 7. Et je peut-être s'il oublie de bouger d'un micro à l'autre qu'on a arrangé à l'avance, bon, je les donne un petit coup de main et comme ça ils se souviennent. Pour les Troyens, l'ampleur est énorme. Nous avons deux machines multitrack. Et pour la marche troyenne, il faut qu'on les utilise ensemble. Donc d'habitude, ils ont 32 tracks. Mais on va les mettre ensemble pour cette marche et on utilise 64. Et ça, c'est vraiment très grand. Un pupitre de mixage, nos systèmes DK d'enregistrement stéréo, qu'on va probablement refaire quand on va à Londres parce que c'est tellement compliqué cette fois-ci. Et naturellement, des tonnes de micros. On fait 25 minutes par séance ici, ce qui est beaucoup. Parce que les prises sont longues, on a la continuité dramatique. Quelquefois, il y a des exemples où le drame est très bon pour le stéréo. Par exemple, avec les sistres anciens qu'on a fait construire spécialement pour cet enregistrement. C'est des instruments très anciens utilisés par les Égyptiens. Et Berlioz demande plusieurs d'entre eux dans la partition. Pendant la marche, le numéro 4 des Troyens, on les utilise sur la scène en allant de gauche à droite avec trois joueurs jouant. Six sistres anciens. Très, très extraordinaire entre Berlioz et Beethoven. C'est-à-dire que les moments les plus dramatiques ne sont pas chantés. Je pense essentiellement à la pantomime. La pantomime, cet immense solo de clarinette qui est au fond l'apparition d'Andromaque, qui est un personnage muet sur scène. Et c'est la musique la plus touchante qui soit.
Le personnage de Sinon est tiré de Virgile, il existe dans le poème. J'ai trouvé la musique de cette scène parmi les épreuves des Troyens, parce que Berlioz a fait imprimer la partition vocale. Mais je crois que l'Opéra de Paris a trouvé l'opéra trop long et Berlioz a coupé quelques scènes ou quelques passages de la musique. Et surtout cette scène de Sinon qu'il a supprimée et jetée comme ça. Mais ça existe toujours dans les épreuves, la partition de piano. Et c'est pour ça qu'il fallait orchestrer cette scène que j'ai fait il y a quelques années. La scène présente Sinon, un espion grec, qu'on trouve, je crois, aux plages ou tout près de la ville. Et on suppose qu'il n'est pas un espion grec, mais un réfugié qui vient à Troyes pour dire que ce cheval de bois, c'est un objet pour les Grecs. Si ce cheval entre dans la ville de Troyes, c'est un désastre pour les Grecs. Enfin, il faut absolument pour les Troyens qu'on tire le cheval dans la ville. C'est une grande erreur, bien sûr, parce que le cheval de bois est un truc. Depuis ce temps, à Troyes, à la fin du bourrate, je l'ai perdu, tremblant à l'idée effrayante. Après m'être soustrait à la haine des miens, que ne peut éviter la fureur des Troyens. Telle est la vérité. Toi qui perfidie, j'ai fait les répétitions avec Cano, avec le maestro du toit, donc je sais ce qu'il veut. Et si les chanteurs ne font pas exactement ce qu'on a convenu de faire pendant les répétitions, musicalement, il faut que je prenne des notes et aller leur rappeler parce que lui n'a plus le temps de faire ça là, avec l'orchestre. Et aussi les problèmes de rythme, les problèmes de langue, les problèmes, souvent des suggestions aussi au niveau de l'interprétation. Alors c'est les oreilles agrandies et très à l'écoute de ce qu'ils font. You say as or is it as it as it aspect? As it aspect. As it aspect. Yes. Because he is le crayon. The one who said. 1538. Ah, moi j'ai pas ce numéro de ça, mais je fais un peu plus vite ça. Un peu 80. Plus vite qu'est-ce qui est écrit? Oui, à 80 on fait. Un petit peu plus vite, parce que c'est andante contre un larghetto. Hein. Où est-ce qu'il est? Juste avant. Où est-ce qu'il est le premier aria? Ici, larghetto. I've sung it 5 times in Lyon,
and 4 times in Los Angeles with Maestro Dutoit in Los Angeles. The opening is quite high and quite long, as far as 5 pages of nothing but going up by half step. That is, I think, is the toughest part of the opera. Recording is perfect opera. I mean, you can stop and start, and you can be very fresh and really pick when you want to record. And I think that's what the people have to realize, that when you buy a recording, it's perfect, and it's not always going to be that way in the theater. I'm very excited because there hasn't been a recording of Les Troyens in so long that we're all excited about it. Nous avons les trois chœurs, dont les chœurs de l'OSM. C'est le chœur de professionnels, 50 personnes. Et chœur ensemble vocal de l'OSM, c'est 25 choristes amateurs. Et aussi chœur Saint-Laurent, qui est approximativement 100 personnes aussi, chœur amateur. Oui. Il faut pour tout le monde préparer toutes les musiques. Nous avons deux groupes, par exemple le numéro 11 dans la marche. Il faut pour Maestro Dutoit travailler, diriger un groupe, et moi j'ai la responsabilité de diriger l'autre groupe en même temps. La question de la coordination est vraiment, vraiment difficile. Ray? Is there a way that I can record the first banda and then the second, do it, superpose that? And as in now? No, as in Nicola. As in never, okay. Come on. Ewing. 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 They are joking all the time. I don't know, really.
When we get to when the altos come in on their palace, that's fine. Then it's rushing. I don't know because no. I cannot. You know, I'm not finishing my own music. No, okay. But if I can explain to you what then what happens in here is that this chorus sounds. I'm giving a downbeat, but in actual fact, they're a little ahead of me. Yeah, but they are so much ahead that I cannot catch up with them. No, but then da 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 da. They were one beat ahead. I don't know what to do with that. Let's go and listen to it. Faire la première canadienne d'un opéra monumental comme ça, c'est un. Je pense que tout le monde est excité à le faire. Seulement, finalement, c'est une entreprise financière absolument folle. Et on n'aurait jamais pu le monter si on ne faisait pas le disque. C'est-à-dire que si les frais n'étaient pas partagés entre nos frais de concert et puis la maison de disque qui permet d'amortir une partie des. Non seulement des cachets, mais des frais de voyage, des frais de répétition et tout ça. C'est la seule raison pour laquelle on a pu monter ça en cette année de 60e anniversaire de l'orchestre. Lorsque nous avons fêté nos 50 ans, nous avons monté la 8e de Mahler, qui était aussi une première audition à Montréal, tandis que cette fois-ci, c'est une première audition au Canada. C'est quand même fantastique de pouvoir monter un opéra comme ça, en pensant que cette œuvre va être entendue pour la première fois dans ce pays, n'est-ce pas? Alors ça nous a excité beaucoup. Donc, on fout parce que c'est une entreprise démentielle. Mais le côté dément de l'entreprise, ça concerne surtout le chef d'orchestre, c'est solide, c'est pas vraiment les gens qui sont autour. C'est la femme aimante, hein? Alors que Cassandre, c'est la pitié, c'est là le médium qui voit toutes les horreurs qui vont arriver. C'est un personnage plus mythique, la Cassandre. Alors que Didon, c'est une femme. C'est pour ça peut-être qu'elle m'est plus chère, qu'elle m'est plus proche. Elle aime et elle n'accepte pas que l'homme qu'elle aime, et elle sait très bien qu'il l'aime aussi, elle n'accepte pas qu'il parte. Mais il y a des lignes magnifiques dans l'air de la fin, la mort de Didon, le duo d'amour avec Aîné, l'ensemble qui vient juste avant, le septet est extraordinaire. Je trouve qu'il y a des lignes vocales et des lignes lyriques très très belles. C'est une reine qui oublie tous ses devoirs parce qu'elle aime. Et ça, je trouve ça, il y a un côté très beau. He's very much in love with Dido, and the separation for him is terrible. Sounds fabulous.
La seule chose que j'ai comme problème, c'est que il faut pas que tu prennes l'habitude d'être après la mesure, de traîner derrière la mesure. Je veux dire pourquoi, parce que... est en train de faire le cycle Berlioz, donc ça fait partie de l'ensemble des œuvres Berlioz que nous souhaitons enregistrer. Pour Decca London, pour eux, de toute évidence, ce sera probablement un disque qui fera autorité pour les 20 prochaines années. On s'attend donc justement que l'OSM, Berlioz, cette espèce de tandem-là, fasse partie du rayonnement de l'OSM et confirme à nouveau sa réputation internationale.